Ah non, par là, par là, par là, par là, par là, et par là. Marquez-les bien. Nous sommes des animaux. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. On n'est pas différent d'animaux. On est l'homme et on pense que ça, c'est très spécial. C'est vrai qu'on a des cerveaux plus grands qu'un chimpanzé, 3 fois plus grands, et ça fait une différence. Mais on est des animaux. On a des cœurs, des cerveaux, tout. Dans tout, on est des animaux. Et pour moi, il n'y a pas de frontière entre les deux. Il y a une expérience qui était faite avec Ayumu, un chimpanzé au Japon, qui travaillait avec des ordinateurs, qui pouvait mémoriser des endroits, des numéros sur l'écran, beaucoup plus vite que nous on peut. Et il était testé contre des étudiants japonais, il était testé même contre les champions de Grande-Bretagne, et il a toujours gagné parce que son mémoire flash memory, son mémoire photographique était beaucoup plus développée et plus vite que chez l'homme. Dans cette expérience réalisée par le département de psychologie de l'université d'Auckland, un corbeau de Nouvelle-Calédonie doit attraper de la nourriture qui flotte dans un tube et qui est hors de portée de son bec, à côté du tube de petits cailloux. Un autre tube est rempli de sable avec également de la nourriture hors de portée. Le corbeau choisit le tube plein d'eau et il décide d'y plonger un caillou pour faire monter le niveau de l'eau. Comme cela ne suffit pas, il plonge un second puis un troisième caillou jusqu'à pouvoir saisir la nourriture. Les chercheurs de l'Université d'Auckland ont montré que le corbeau pouvait choisir entre des objets lourds ou légers, creux ou pleins, et tenir compte du diamètre du tube et du niveau d'eau, et même de vases communicants. À chaque fois, il trouve rapidement la bonne solution. Les scientifiques ont ainsi vérifié ce que l'écrivain grec Ésope avait observé il y a près de 2600 ans et qu'il rapporte dans sa fable « Le corbeau et le pichet ».